Ça marchera pas si je parle dans le vide. J'essaye un nouveau mode que j'ai découvert grâce à Éphémère. Je ne dois pas mourir une seule fois. Si tu meurs, tu jettes ta map et tu jettes ton personnage et tu recommences tout. J'ai marqué épisode 1, mais je sais pas s'il va y en avoir un deuxième. J'ai hâte de ne pas mourir. Alors, nouveau monde, je vais marquer No Death 01. Hello, Sophie 576. Il va falloir que tu rechanges ça. Hein. Hey, DJ, ça va? J'essaye un nouveau mode, une façon de jouer qui s'appelle No Death. Si je meurs, je recommence tout à zéro. Hello Kia, waouh, c'est cool. Ça y est, je sais plus où elle est la mer. Suivre les traces de l'oiseau. Où se trouve l'oiseau? C'était sur la branche. Ah, il faut suivre un peu. Mon premier arbre. Est-ce que je vais survivre? Non. Bouge plus. Ok. Chut. Hey Tox, mon maître streamer. On croit en toi, mais moi non. Là-bas, il y en a un. Hop, on va aller derrière. Bouge plus. Baisse la tête. 1, 2, 3, soleil. Pff. Coucou, Raveur. Hey, coucou, Kutork, Wanos, Arthos. Hey, Éphémère, salut. Merci d'être là, c'est cool. Éphémère, c'est grâce à toi que j'ai commencé une partie en mode No Death. Éphémère, tu as dit que tu es arrivé jusqu'à après Yagloot sans mourir. Je trouve ça incroyable quand même, putain. Qui a déjà fait ça? Dans les Sims, tout début, j'avais pas de sous. Pour gagner de l'argent, alors j'avais fait une famille du maximum que je pouvais. Ces cons-là, je les ai emmurés. C'était juste pour gagner leur thune. Sécurité sociale. Je les ai laissés crever. Emmurés. À se pisser dessus et tout. Les voyais pleurer et tout. Pendant ce temps que mon personnage principal, il se la coulait douce dans sa super baraque. Payez avec votre pognon. Et quand la mort arrivait pour tuer les Sims emmurés, il y en a certains qui faisaient un deal avec. Et du coup, la mort, elle venait fouiller dans mon frigo. Mais c'est pas grave, j'avais son numéro. Moi, j'avais pas de personnage imaginaire. J'avais la mort. Hey, Bradani, waouh! Ça, c'est incroyable, merci de venir. Je vous présente Bradani, spécialiste et expert en Valheim. Sur sa chaîne YouTube, il vous montre plein d'astuces. Hello, Justin. Ça va? Ça fait plaisir, putain, y a tout le monde, hein, c'est trop cool. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la maison. Je note, moi. Un peu de bouffe. Ah, vous m'avez dit, elle est côte de porc. Mmh. Waouh, vous êtes 15. Et les gars et les pas gars. Merci. Et là. Oui. C'est vraiment le bruit d'un cerf, ça? C'est des cerfs vikings. Là, les cerfs. Les cerfs, là. Bonjour. Une petite flèche? Une flèche pression? Voilà. Bière qui roule, la masse pas mousse. Avec Bradani, on a joué dans un monde modé avec une grande communauté. C'était trop bien, là-bas. Ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'il y avait des mises à jour, bah, on n'arrivait plus trop se connecter. À la fin, j'ai pas réussi à me connecter. Dommage, j'avais fait une grosse connerie et je voulais la réparer et j'ai plus réussi à me connecter. J'avais apprivoisé une panthère quand j'étais dans les terres éthérées. J'avais fait un mur pour pouvoir lui jeter de la bouffe et l'apprivoiser parce que c'était pas facile. Bah, j'étais prêt à le démonter, sauf que c'est à ce moment-là qu'on a pu réussir à se connecter. Du coup, j'ai laissé un gros mur comme ça au milieu des terres éthérées. J'en suis désolé. Il y en a vu un sanglier. Mais il est là, il était caché, t'as vu dans les buissons. C'est un campeur. Oh, salaud. Moi je suis mort avec un X Arthos. C'est la classe un X. C'est un peu comme se faire renverser par une Mercedes. C'est fermé. Revenez demain. La forêt noire pas trop loin. J'ai même pas envie de la voir la forêt noire. T'as le mec de la trame sonore, je vais lui péter la gueule. Je suis pas prêt. Oh ouais, le troll. Ah bah, il m'aidera à couper du bois précieux. Faites une prédit dans le chat. Va-t-il mourir avec un arbre ou un sanglier? Ah ouais, un caillou de dinguerie. Si t'arrives dans le dos comme ça, t'as pas vu. Vous êtes nombreux, hein. Hey, je serais pas un petit peu fou là? Hey, mais je vais me faire tuer. Je suis ouf. Mais pourquoi je fais ça? Ça y est, ça commence. T'avais pas dit que c'était dangereux la nuit? Oh oh. Oh merde alors.
On va casser ça. Et on a grandi. C'est autre chose, hein, quand même. Et voilà. Un lit. C'est un lit pas chiant. Wow. Une étoile. Pourquoi il part ? Prendre l'élan. Mais il est parti ! Une étoile, il se casse. Oh non ! Il est là. Il se cache. Non ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? D'où il sort, celui-là ? Une étoile ! Pourquoi ils courent dans tous les sens, les gens, là ? Ah, c'est parce qu'ils courent après sanglier. Je vais en profiter. Regarde, regarde. Hop. Wow. Si on se casse. Ils sont là. Un. Voilà. 2 heures. Non mais ça fait 2 heures que je joue. Oh, trop long. Waouh, waouh. Mais putain, mais quel con. J'ai peur de rien et je fais vraiment n'importe quoi. Wouah, mais le débile. Allez, une dernière. Bon, bah on arrête là. C'était pas mal, j'adorais cette nouvelle aventure. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Faut que j'arrête de foncer dans le tas. Bon, bonne nuit, mon petit générique de fin. Bonne nuit.